l'amour que Dieu nous a donné, sa grâce qu'il nous a accordée. Avec Amenye, 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 pour Dieu, Amenye, 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 the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans deux livres différents, mais je vais commencer juste par le premier. Le deuxième, je viendrai. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, écoutez-moi très bien, recevra le centuple. Amen. Et il héritera la vie éternelle. Vous pouvez noter Ésaïe 46, versets 10 et 11. En attendant, je viendrai sur ce passage vers la fin. Matthieu, tu as vu, assis que le peuple a vu, assis que l'IA. Et à mes si que le non vient un jour, non vient un jour, alors non vient un jour, alors fofoa, alors dada, alors soin, alors vio, alors abo, alors so, alors quoi le n'y a pas et la croix, tes pédodo, guédé, et ani à que ma voix domé. Amen. 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 Le contexte de ce message, il est simple. Et tout commence par une question que l'apôtre Pierre a posée à Jésus-Christ. Et toi, comme plaît bien, bien, ainsi, après sur le Pedro Pia, Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver sa question au verset 27. Quand l'apôtre Pierre demandait à Jésus-Christ, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous te suivons. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Quelle sera notre récompense? Nous avons tout quitté. Et nous te suivons. Jésus. Quelle sera notre récompense? En réalité, l'apôtre Pierre ne devait plus poser cette question. Simplement parce qu'il a marché avec Jésus pendant déjà plusieurs mois, sinon quelques années, parce que Jésus tendait vers la fin de son ministère. Il connaissait Jésus, Jésus a enseigné, Jésus a prêché la vie éternelle. Il a prêché la bénédiction d'Abraham pour les fils qui viennent à Jésus-Christ. Et donc, naturellement, je vois... J'aurais voulu voir mal comment Pierre pourrait encore poser une telle question. Mais quand vous remontez un peu, vous verrez qu'il y a eu une histoire par rapport au jeune homme riche.
qui voulait gagner la vie éternelle. Il pose la question à Jésus-Christ, que dois-je faire pour être sauvé? Praise the Lord. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je nous en supplie que la vie éternelle soit votre première priorité. Amen. Dans votre relation avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Je répète cette phrase. Quoi qu'il arrive, la vie éternelle. La vie éternelle. Vivre éternellement avec Jésus-Christ. Que cela constitue votre priorité, la première. Pour les autres choses, soyez rassurés. Dieu vous les donnera. Certains n'ont pas dit amen. Amen. Parce que généralement, quand l'on prêche ou la parole de Dieu sort, nous sommes prêts, nous focalisons sur notre condition sociale, nos petites difficultés autour de nous. Mais je vous le déclare, pour les autres choses, Dieu vous les donnera. Mais prioritairement, la vie éternelle. La vie éternelle. Heureux ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et donc avec ce jeune homme riche aussi, Pierre était témoin quand Jésus lui a dit, Madonna, va, distribue de tes biens et donne aux pauvres. Voilà, il y a tout un enseignement là-bas, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais avant cela aussi, donc, on a vous voyez, Pierre, ce n'est pas un enfant, il a laissé son entreprise parce que Jésus l'a appelé plein temps, dans un ministère plein temps, comme mon père l'apôtre, comme moi, vous voyez un peu, comme l'évangéliste. Et voilà, Dieu, Jésus l'appelle dans un ministère plein temps, il abandonne son entreprise de pêche. Il a abandonné des amis, des compagnons de travail, et il suit Jésus-Christ. Donc, tout leur espoir était placé sur la présence physique de Jésus-Christ à leur côté. Tant qu'ils voient Jésus, ils sont rassurés. Et voilà que Jésus commence par leur dire que très bientôt, le maître sera frappé. Il sera mis à mort. Et les brebis seront dispersées. Vous voyez un peu, ça commence par trottiner dans leur tête. Mais ce monsieur, il est tout pour nous, notre espoir, nous vivons avec lui. Et voilà qu'il commence par dire qu'il va mourir. C'est pour cela que Pierre a pris Jésus en aparté pour lui dire un jour, Seigneur, quand nous parlons, ne parle pas de ta mort, quoi. Ça, il faut laisser ça, parce que Jésus était tout pour eux. Oh, bien-aimé, quoi qu'il arrive, Jésus est, il était et il sera tout pour nous. Amen. Nous avons l'entendu, mais tu viens Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que le peuple est là? Praise the Lord. Alléluia. Jésus était tout pour nous. Jésus ni nous a en 2022, il était tout pour nous. Aujourd'hui, il est tout pour nous. Il sera tout pour nous. Amen. Et puis si bientôt me bela, et nous katanami, et bela a gagné nous katanami, et toi si banaha a gagné nous katanami. C'est dans cette circonstance que Pierre a posé cette question. Mais Seigneur, nous avons tout quitté. Nous te suivons. Quelle sera notre récompense? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais tu vas mourir, tu vas partir bientôt. Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être qu'il y en a aussi qui s'inquiètent parce qu'on vient de rentrer en 2023.
qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que l'année va devenir. Mais regardez quelqu'un et dites-lui, Jésus est fidèle à sa promesse. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et pour lui répondre, Jésus lui a dit, si quelqu'un quitte les choses pour moi, précisément son père, sa mère, ses frères, ses amis, ses enfants, ses terres, ses maisons pour moi, il recevra en hébreu, il a dit, il recevra la multiplication de ce qu'il a perdu pour moi. Et plus, il recevra la vie éternelle. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qui sont ceux qui veulent gagner avec Jésus-Christ? Amen. Je vous repose la question. Qui sont ceux qui veulent gagner avec Jésus-Christ? Qu'il en soit ainsi pour vous en 2023. Dites à votre prochain, je suis en Jésus-Christ, je dois gagner. Amen. Mais pourquoi certains ne le disent pas? Dites à quelqu'un, je suis en Jésus-Christ. Je gagne, je suis plus que vainqueur. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, avant de gagner avec Jésus-Christ, il y a une première condition. C'est de perdre quelque chose. Alléluia. Amen. C'est là où je dis que mon père a résumé le message. Il a dit, ceux qui vont rester accrochés à Jésus-Christ, il y a un prix à payer à cela. Mais je prie le Seigneur d'ouvrir les écluses du ciel et de déverser la grâce sur vous afin que vous demeurez accrochés à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Donc, comme je vous le dis, il y a quelque chose à perdre. Il y a quelque chose à perdre. Il y a quelque chose qu'il faut jeter. Il y a quelque chose qu'il faut donner. Il y a quelque chose qu'il faut sacrifier. J'ai parlé de jeter. J'ai parlé de donner. J'ai parlé de sacrifier. Praise the Lord. Alléluia. Pour aller rapidement, qu'est-ce qu'il faut perdre? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Qu'est-ce qu'il faut donner? Tout d'abord, nous devons jeter la vie de péché. Ce que nous étions avant que le Seigneur ne vienne nous sortir en payant le prix dont le symbole, la Sainte Seine, est devant nous. Nous devons jeter cela. Nous devons jeter cela. On ne peut pas garder le vieil homme et s'attendre à gagner avec Jésus-Christ. Mais quand l'on garde le vieil homme, il peut apparaître, il peut être apparent que l'on gagne ici-bas, mais la vie éternelle ne se gagne pas comme ça. Il y a quelque chose à perdre. Et Pierre a dit, nous avons tout perdu, on a tout abandonné pour te suivre. Il dit, mais oui, si vous perdez, vous gagnerez avec moi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne sommes plus à une époque de la vie chrétienne où l'on doit s'amuser, badiner avec son salut. Nous ne sommes plus à une époque où notre priorité doit être le visa qu'on va prendre, la maison qu'on doit construire, le véhicule qu'on doit payer. Je vous le déclare, vous en payerez, vous en construirez des maisons. Ça, soyez rassurés. Mais la priorité, c'est la vie éternelle. Et comme Matthieu 6, Jésus l'a dit, les autres choses, Jésus vous les donnera. Je veux vous voir prospérer. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a qui ne sont pas avec moi. Je veux vous voir prospérer. Amen. Mais au-delà de la prospérité,
perdez le vieil homme, la vie de péché, pour gagner la vie éternelle. Vous connaissez mieux que moi ce que Jésus nous défend de faire. Que le ciel te donne la grâce. Dans un monde corrompu, dans cette année 2023, vous soyez la lumière du monde. Soyez des modèles de la crainte de Dieu, des modèles de l'intégrité, des modèles de la consécration, des modèles de la croissance spirituelle avec le Seigneur. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pour gagner, l'on doit perdre d'abord quelque chose. Et c'est ce que Pierre a dit. On a tout abandonné. On a tout abandonné. Nos terres, nos maisons, nos affaires. Mais oui, nous, nous sommes dans un ministère plein temps. Vous, vous n'êtes pas dans un ministère plein temps, vous n'allez pas abandonner vos affaires, l'un de là. L'un de là. C'est pas ce que Jésus nous dit. Il ne faut pas comprendre autrement. Ça ne veut pas dire que quand nous partons d'ici, tu vas aller fermer ton atelier pour dire ah, je vais aller rester seulement à l'église. Non, 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 c'est pas ce que Jésus nous dit, loin de là. Mais je vous dis que vous devez perdre quelque chose. Et c'est le vieil homme. C'est un prix profond, un prix fort, incomparable, inexplicable, que ton Seigneur a payé pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il a souffert. Il a souffert. Il a été percé, couronné d'épines, versant, vivant son sang. Vivant, mais son corps était broyé, brisé. Je prie le Seigneur de susciter dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent ce matin un amour profond pour le Maître qui nous a tant aimés. Apprenons à aimer profondément Jésus-Christ en rejetant la vie du péché. Rejetant. L'apôtre Paul aussi a utilisé le terme rejetant. Il dit nous nous rejetons les choses honteuses. Que quelqu'un lève la main et dise Seigneur, je veux rejeter la mondanité. Je veux rejeter le péché. Qu'il en soit ainsi pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand nous rejetons, vous allez penser que vous perdez, mais vous ne perdez pas, vous gagnerez. Amen. Vous gagnerez. Je voudrais particulièrement parler aux étudiants. Quand vous arrivez à l'université, il y a aujourd'hui de la perversion sur les réseaux sociaux, de la perversion, de la corruption. Et pourquoi pas des confréries, mais je vous encourage, en 2023, nouvel engagement avec Jésus-Christ, nouvelle détermination avec Jésus-Christ. Si vous étiez plongé dans la mondanité en 2022, notre Dieu, le Dieu de grâce, qu'il vous accorde la grâce, qu'il vous purifie, que le sang précieux dont le symbole est devant nous vous lave complètement.
lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Qu'il vous lave complètement. Qu'il vous purifie, vous délivre de la mondanité de la vie du péché. Et en 2023, vivons pour le Seigneur. Dans le péché, il y a un plaisir temporaire. Et après cela commence le remords, le regret. Mais vous, faites la différence. Soyez déterminés. Soyez résolus fermement. Comme Daniel. Craignez Dieu. Marchez avec le Seigneur. Il vous sera reconnaissant. Vous savez ce qu'il faut perdre, c'est aussi certaines amitiés, certaines relations. Il vaut mieux les appeler des relations toxiques. Des relations qui détruisent. Des relations qui vous amènent à dégringoler, à reculer. J'ai parlé de l'université, j'ai parlé des confréries, de certaines confréries. Oh, toi, tu n'as pas une copine, toi, tu n'as pas ceci. Non, viens, on va aller à la prostitution, ceci. Non, mais tu sors avec le monsieur là, mais tu as déjà ton Range Rover garanti. Non, mais dis donc, Range Rover. Je vous regarde. Le Seigneur est fidèle. Amen. Qu'il vous en donne. Amen, amen, amen. Il y en a qui... Amen. Pas que Dieu peut leur donner un Range Rover. Amen. Que le Seigneur vous en donne. Amen. Et rajoute au les soukoulo, mais on a bien bien aoué, on a vu même pas la siwa. Dès les tocs pleins de tuer là, après vous gars on a gâté mes petits magrons on a bien là, ma ou ni nous te peur là et vous là, ma ou atu un ami. Le matériel. Que Dieu vous en donne. Au nom de Jésus-Christ. Mais tenez-vous bien que le matériel ne vous déconnecte jamais de Jésus-Christ. Donc vous devez perdre certaines amitiés. Certaines amitiés, vous devez les perdre. Voyez, c'est là où Jésus dit, quiconque quittera son père, sa mère. Vous voyez, certains, quand ils reçoivent Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que quand vous rentrez, vous sortez de la maison de votre père, quand vous êtes non loin de là. Mais quand vous recevez Jésus-Christ, parfois, c'est votre père qui critique votre conversion. Il vous dit, non, pas question. C'est lui qui vous dit, vous revenez à l'idolâtrie. Vous, c'est votre ami, c'est un parent, c'est quelqu'un, c'est un collaborateur au service. Quand c'est comme ça, accepter de perdre sa sympathie, qu'il vous voie en ennemi parce que vous avez choisi Jésus-Christ. C'est comme ça, perdre son père ou bien abandonner, quitter son père et sa mère. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Si c'est pour Jésus-Christ, amen. Soyez prêts à tout sacrifier. Amen, amen, amen. Laissez-le comprendre. Bientôt le bientôt, bientôt le voilà. Mais il y a bien des les croyants sous la tôle et tombent après mon haut. D'accord, les trois dimanches là, t'as mené et tolo, on l'a olo, radotolo, agronomena. Certains jeunes sont ici maintenant devant moi. Ils n'ont pas planifié commettre un péché cette journée. Ils n'ont pas planifié commettre un péché demain. Mais vous savez, elle peut sortir d'ici. Cette jeune fille ou ce jeune homme, il peut sortir d'ici. Et il contacte un ami ou bien un ami le contacte. Mais tu es où ma soeur, tu es où ma chérie, tu es où mon frère? Et voilà, ensemble, en discutant, cette amitié peut l'amener à commettre un péché. Je prie Jésus-Christ de vous délivrer de ces pièges du diable. Amen, amen. Elle a été tout le royaume, et Amérique, Ficanelle, dès qu'elle a appelé que mes, elle est mignonne là, on nous voit, elle a ta méthode, mais moi, on est 2000 fois, à tout devant, mais elle est bien qu'elle est homme. Si un ami vous appelle aujourd'hui, c'est pour vous dire, viens, on va aller prendre un pot, un whisky, hein, pour nous saouler quelque part, je te conseille de perdre cela, de quitter cette amitié rapidement. Pour rester accroché à Jésus-Christ. Amen. On ne gagne pas facilement avec Jésus-Christ quand on n'est pas accroché. Dites à quelqu'un, sois accroché à Jésus-Christ. Sois accroché à Jésus. Alors, j'ai parlé de perdre, mais j'ai parlé de donner aussi.
Il a parlé de sacrifier. Qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Jésus a tout déclaré, a tout résumé. Quiconque aura quitté, et ici des maisons, et ici des terres. Vous voyez un peu, ta maison, elle est à toi. Ton entreprise, elle est à toi. Ton argent, elle est à, comment, il est à toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais je voudrais vous assurer, quand vous marchez avec Jésus-Christ, il y a aussi des choses qu'il faut quitter là-bas. Je donne un exemple banal. Les dîmes et les offrandes, par exemple. Vous travaillez, vous avez de la rémunération, mais le total ne t'appartient pas en premier. Vous voyez, les dîmes sont pour l'Éternel. Il faut apprendre à donner ça. Ça, vous ne perdez pas cela, mais vous donnez. Vous sacrifiez. Et à Pédokwe, je n'ai pas besoin de trop vous enseigner sur les dons parce que vous savez donner. Amen. Aïe, vous savez Amen. Donner. Amen. Vous savez craindre Dieu. En donnant pour l'avancement de son œuvre, demeurez ainsi, le meilleur est devant vous. Amen. Amen. Et quand vous parlez de la dîme, les détracteurs de l'église disent non, mais les pasteurs cherchent, ils font leur affaire. Non, 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 loin de là. Loin de là. Vous devez transcender. Alléluia. Des années passent. Vous devez grandir avec Jésus-Christ. Vous devez être au-dessus de la mêlée. Quand les gens sont encore dans des débats de gaminerie, des débats de béaba, des débats de base, la dîme, est-ce qu'il faut donner ou pas? Non, mais Dieu nous donne la vie. Il nous donne la santé. Apprenez à grandir, à quitter ces débats de gamins pour être au top avec le Seigneur. Vous, apprenez à donner vos dîmes, donnez fidèlement vos dîmes. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce qu'il faut donner. Quand on est accroché à Jésus-Christ, alléluia. Amen. Parfois, on ne vous enseignera même pas certaines doctrines de la Bible. Mais quand vous êtes accroché à Jésus-Christ, je vous dis, le Saint-Esprit lui-même vous en donnera la conviction intérieure. Praise the Lord. Alléluia. Regardez Abraham. À une époque où la loi n'est même pas encore arrivée, il est parti, il a fait la guerre et il a gagné les chefs de la Mésopotamie. Et en revenant, Melchisédek l'a rencontré. Melchisédek ne lui a pas demandé la dîme, mais il lui a donné la dîme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu n'avait même pas parlé de dîme à Abraham. Si vous êtes accroché à Jésus-Christ, je vous assure, on n'est plus dans les débats de gaminerie. Non, loin de là. Regardez quelqu'un et dites-lui, ne sois plus un gamin. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Idem pour Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il voyageait. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il dit à Dieu, si je vais et je reviens, tout ce que tu me donneras, je te verserai la dîme de tout. La loi n'est pas encore venue. La loi n'est pas encore venue. Oh, praise the Lord. En 2023, accroché à Jésus-Christ. Accrochés, soyez accrochés à Jésus-Christ. Mon père a résumé le message. Demeurez accrochés à Jésus-Christ. Et quand vous le ferez ainsi, vous gagnerez. Vous gagnerez. Aïe, je vous le répète, vous gagnerez. Au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez étudiant, artisan, commerçant, secteur informel, fonctionnaire, et femme d'affaires, homme d'affaires, apprenez à donner quelque chose. Vous devez quitter quelque chose. Pierre, dans son plein temps, a quitté tout. Mais vous, vous devez aller dans vos affaires, vous devez prospérer dans vos affaires, mais vous devez quitter, vous devez savoir que la dîme n'est pas à vous, vous devez libérer ça. Vous devez libérer ça pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Maintenant, en dehors de la dîme,
Il y a aussi la construction, par exemple. C'est pour cela que je dis à Pédocoya, on n'a pas besoin de trop vous enseigner certaines choses. Je prie le Saint-Esprit de continuer par écrire la doctrine scripturaire de la Bible, la doctrine du ciel. Que le Saint-Esprit continue par l'écrire sur vos cœurs. Regardez quelqu'un et dites-lui que Dieu m'ouvre simplement les portes. En 2023, je donnerai pour la construction. Si tu le dis du fond de ton cœur, il va t'ouvrir les cœurs. Le projet que tu es en train de faire, que ce soit pour pas, pour toi seul, elle est son partenaire, elle est son partenaire, nous que tu sois ton partenaire, ton associé. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Comme Jésus l'a dit, quiconque aura tout quitté, ou bien aura quitté à cause de moi. Il a quitté les terres. Il a quitté ses affaires. Voilà. Nous devons quitter quelque chose. Nous devons sacrifier quelque chose. Évidemment, vous irez loin avec Jésus-Christ. Parfois, il y en a qui sont là et disent, j'attends que le Seigneur me parle, qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire, Seigneur. Mais voilà que la même personne, ce que Jésus a déjà dit clairement dans la Bible, il ne l'accomplit même pas. Commencez par obéir au principe de base de la parole de Dieu, et Dieu vous en dira encore. Je vous répète cette phrase. Je sais que beaucoup n'ont pas compris la phrase. Beaucoup sont parfois là. Mais je ne comprends pas ma vie. Mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Dieu ne me donne pas de révélation. Je n'ai pas eu un rêve. La première révélation de Dieu, elle est ici. C'est la parole de Dieu. C'est la première révélation. Toutes les révélations sont concentrées ici. Au lieu de continuer par attendre pour que Dieu dise quelque chose de particulier que vous obéissez, c'est très bien quand même, mais au lieu de continuer par attendre, commencez d'abord par accomplir les éléments de base qu'il a dit ici. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme quelqu'un fâché contre moi. Qu'il lève la main, je vais prier pour lui. Personne n'est fâché. En tout cas, en 2023, je demeure accroché à Jésus-Christ. Et je gagnerai avec Jésus-Christ. Si cela vous plaît aussi, répétez la prière là. En 2023, je demeure accroché à Jésus-Christ. Et je gagnerai avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, regardez la récompense. C'est un double gain. C'est une double récompense. Jésus dit le centuple. Et il ajoute la vie éternelle. Très bien. Je voudrais qu'on priorise la vie éternelle. Qu'on priorise la priorité. Je l'ai déjà commenté, n'oubliez pas que c'est pour la vie éternelle que Christ est venu mourir pour nous. Et pour rien au monde, n'abandonnez jamais la foi. Demeurez toujours accroché pour que la vie éternelle soit votre portion totale. Amen. Mais quand nous sommes mais quand nous sommes peut-être en arrivant ici ce matin, quelqu'un se disait dans son cœur, je suis découragé. J'ai attendu telle promesse en 2022. Je n'ai pas eu cela. Ma vie est devenue routine. Faut-il aller à l'église? Faut-il continuer avec Jésus-Christ? Ne vais-je pas abandonner? Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. À la fin de la course, il y a une récompense éternelle. La vie éternelle. Mais Jésus a ajouté que
Ici bas, vous aurez le centuple. En hébreu, il n'est pas dit centuple. Mais il a juste dit, vous aurez la multiplication. Voilà, vous aurez une portion multipliée. Donc, ce que vous aurez quitté pour Jésus-Christ, ce que vous aurez donné à Jésus-Christ, vous recevrez le centuple, la multiplication. Alléluia. Alléluia. Quand vous quittez la vie du péché, vous recevrez de Jésus-Christ la vie spirituelle. Quand vous abandonnez votre dîme à Jésus-Christ, vous recevrez de Jésus-Christ la multiplication. Quand vous abandonnez quelque chose que personne ne vous imposera, mais volontiers, je donne ceci cette année pour bâtir la maison de Dieu, vous en recevrez la multiplication. Praise the Lord. Alléluia. Donc Jésus dit, comme Pierre lui s'inquiétait, mais maître, hey, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, on a tout quitté, on est foutu. Jésus, vous recevrez ici-bas le centuple. Laisse Pierre nous ramener, nous caillons mieux travers nous, mieux après agbemekbele là. Praise the Lord. Alléluia. Et en réalité, Pierre a reçu le centuple. Plus que cela. Plus que cela. Jésus est mort, il est parti. Et Pierre était devenu l'icône. La popularité. Il est connu de tous. Les magistrats de la ville, le Sanhédrin, tout le monde les connaît. Toute la foule le suivait. Il est devenu un meneur pour Jésus-Christ. Oh, praise the Lord. Alléluia. On ne perd jamais avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul aussi a jeté beaucoup de choses. Sa renommée, son moi, il a tout abandonné sur la route de Damas. Et il a suivi fidèlement Jésus-Christ. Quand il allait avec Jésus-Christ, alléluia, amen. Il a reçu plus que le centuple. Plus que le centuple. Plus que le centuple. Et même lorsqu'il était menacé de mort, il a déclaré, il faut être un homme de foi pour déclarer cela. Christ est ma vie. Et même la mort met un gain. Que quelqu'un lève la main et déclare, en Jésus-Christ, je ne perdrai jamais, je gagnerai. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien, je tire vers la fin du message. En 2023, je reste convaincu que Jésus a un plan de bonheur pour vous. Car dans Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare, et ceci, c'est aux captifs, ceux qui sont en captivité. Dieu leur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Praise the Lord. Alléluia. Le monde peut tourner, peut bouger comme il veut, peut changer comme il veut. Mais quand vous êtes accroché à Jésus-Christ, le projet que Jésus-Christ a pour vous n'est qu'un projet de bonheur. Amen. Et pour vous particulièrement, Dieu a un plan pour vous en 2023. Il n'est pas un Dieu de hasard. Il planifie tout. Pour ceux qui sont accrochés à lui, il planifie tout. Mais quand vous vous détachez de lui, c'est là où se pose le problème. Les espions ont dit à Rahab, nous attachons ce fil rouge à ta maison. Et ce sera pour nous le serment, le symbole. Si quelqu'un sort de cette maison et qu'il meurt, que cela tombe sur sa propre tête. Mais si quelqu'un est dans cette maison, il ne mourra pas. Parce qu'il devrait arriver pour détruire la ville. Mais il voulait sauver Rahab et ses parents.
pour la faveur qu'il leur a faite, qu'elle leur a faite. Je ne voudrais pas que vous regardiez ceux qui sont morts parce qu'il ne s'agit pas seulement de mourir physiquement. On peut mourir physiquement et gagner avec Jésus-Christ. Mais quand vous sortez de la connexion avec Jésus-Christ, la mort spirituelle vous guette. Je vous le déclare, restez accroché à Jésus-Christ. Et quand vous êtes accroché, vous gagnerez avec Jésus-Christ. Le plan de bonheur qu'il a pour vous se réalisera. Le plan de bonheur là se réalisera. Praise the Lord. Maintenant suivez-moi très bien. S'il arrive, quand vous pensez qu'il n'y a personne pour m'aider, comment ce plan de bonheur va arriver? Comment est-ce possible? Oh, je suis devenu ceci, malheureux, triste, je n'ai pas de succès. Moi, je suis un orphelin, personne pour m'aider. Je suis une veuve, personne pour m'aider. Mais Dieu dit qu'il va m'aider. Mais par qui le Seigneur va passer? Je voudrais dire à chacun ce matin que si Dieu veut vous faire du bien, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les hommes refusent de vous aider, Dieu est capable de mettre en accomplissement son projet pour votre vie. Il est capable. Il est capable. Donnez-moi juste 5 minutes encore. Je vais finir le message. Je dis, Dieu est capable de mettre en accomplissement son plan pour vous. Au nom de Jésus-Christ, il est capable. Quand vous regardez Ésaïe 46, c'est le deuxième passage que j'ai donné. Le verset 10, par exemple, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Nous sommes qu'au commencement de l'année, ou bien? Mais ce qui concerne ta vie, je sais que beaucoup ont sommeil parce qu'on a fait la nuit aussi. Mais fais un effort, et suis-moi, je tire la fête. Ce qui concerne ta vie en 2023, Dieu le connaît déjà. Ce qui va arriver en juin, en septembre, Dieu le sait. En tout cas, si quelqu'un dort à l'église aujourd'hui, ne l'accusez pas, hein. On a passé la nuit. Okay? Mais fais un effort pour me suivre. Regarde ton prochain pour voir s'il est là ou bien s'il part un peu. Demande-lui, tu pars un peu ou bien tu es là. Il a dit qu'il est là. Il est là. Faut voir si ses yeux sont un peu rouges. Il est là. Il est là. Il est là. Ok. Je vous le déclare, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et il ajoute, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, moi je l'annonce. Je parle à un enfant de Dieu. Je prophétise sur la vie d'un enfant de Dieu. Ce que Dieu a prévu comme bonheur pour toi en 2023, nous ne sommes qu'au commencement. Mais Dieu te dit que lui, il l'annonce. Et il l'a préparé. Et il ajoute, je dis, mes arrêts, c'est-à-dire mes décisions vont subsister. Ce que Dieu a décidé pour ta vie ne sera jamais effacé. C'est Dieu qui déclare ici. Je le déclare. Et c'est Dieu qui parle. Mes décisions vont subsister. Mes décisions vont demeurer. Il n'y a personne qui va arrêter le bras de Dieu pour bloquer ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mes décisions vont subsister et j'exécuterai ma volonté. Oh, que le Seigneur exécute sa volonté dans ta vie. Que le Seigneur accomplisse son plan dans ta vie. Ne dis pas, il n'y a personne pour m'aider. Même s'il n'y a personne, dis à quelqu'un, Dieu est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il dit, j'exécuterai ma volonté. Et regardez le verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie.
Praise the Lord. Alléluia. Je sais que les gens n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire ici? S'il n'y a personne que Dieu va utiliser pour accomplir ce qu'il veut te faire en 2023, il dit, moi Dieu, j'appelle, si je ne trouve pas un homme, j'appelle de l'Orient un oiseau de proie pour aller accomplir mes desseins. N'amène que mes limaoula zato en une heure. Personne pour te faire du bien. Maoula don révide. Dieu va envoyer un oiseau. Maoula don est langue au rang de la cime. Mais maoula don est péré. Dieu peut envoyer une. Maoula don a tiré. Dieu peut envoyer un oiseau. Et Dieu est sous ton et nous sommes en ménage. C'est pour cela que tu as dit à tes disciples. Mais yoma kafoui maoule. Les gens refusent de le louer. Maoula de gbena et pépra si on a kafoui. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, il connaît où les maoula n'amé. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Et doctor Elie avait les titres la vie. Et Élisée avait fait. Qu'est-ce que tu as envoyé? Et donc, il a envoyé un corbeau. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, il a envoyé un corbeau. Il a envoyé un corbeau. Et Dieu l'a dit. Va prendre un poisson. Tu vas envoyer ça. Oh, praise the Lord. Alléluia. Mais Ganon Globé a mané que me la signe. Je ne dis pas que je n'ai personne. Non, n'y est pas mon kata. Venez la doga. Venez la doga. Quand ça devient difficile. Il m'a pas honna me tordre. Et tu n'as pas de sauveur. Maoula don révide. Dieu va envoyer un oiseau. Maoula don révide. Dieu va envoyer un oiseau. Et toi, n'y est maoula don révide. Dieu va envoyer un oiseau. Et toi, n'y est maoula don révide. Maoula don honna me donna au chose Zion. Dieu va envoyer un sauveur de Zion. Maoula don y est me honna me donna au chose Zion. Maoula don honna me donna au chose Zion. Maoula don révide là. Dieu va envoyer un oiseau. Mais lui, il est nommé à honna au dé. Ce qu'il parle pour toi. Qu'il le fasse pour toi. Donne-toi assez. Écoute. Réveille, il y a un corbeau. Le corbeau. Il parle de l'oiseau de proie. Et d'où il y a un oiseau de proie. Il mange la viande. Il y a un oiseau de proie. Il y a un poisson et puis des galettes. Praise the Lord. Alléluia. Maoul est capable. Tu es capable de tout faire. Mais le tonnerre est tonnerre, mais Maoul est capable. La tonne est là. Tu peux t'envoyer à Séviba Simé. Tu peux envoyer la fiance. Et il va te la. À Séviade. Et nous n'a qu'à le chef mange le poisson. On est pas où est-ce qu'on y est. Et Dieu veut te faire du bien. Et là, ça est là. Il va utiliser la fiance. Et là, est là. Qui mange la fiance. Là, là. Déba Simé. Et il va te la. Et là, tu es assis. Il va la faire. Bon, Madio, Madio. Elle avait au dessiné. Parce qu'il a au dessiné. Il a au dessiné. Il a au dessiné. Ma dessin a révélé. C'est pour ça que tu as dessiné. Ma dessin a révélé. Il a donné un oiseau. Et où est pas? Il a fait des choses. Et où est pas? Il a fait des choses. 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 Il a dit la parole. Il dit. D'une terre lointaine, j'appelle un homme pour accomplir mes desseins. Je proclame à quelqu'un ce matin. L'Amérique appartient à l'Éternel. L'Europe appartient à l'Éternel. L'Asie appartient à l'Éternel. L'Afrique entière appartient à l'Éternel. Tous les continents sont dans sa main. Si Dieu veut te faire du bien, si Dieu veut te faire du bien, alléluia. S'il n'y a personne ici pour te faire du bien, Dieu va appeler quelqu'un. Voyez, il dit, j'appelle un homme d'une terre lointaine, lointaine. Vous serez là. Quelqu'un va vous téléphoner. Il vous appelle de l'Europe, de l'Amérique, parce que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Il ne peut pas refuser. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Et Dieu dit, verset 11, je l'ai dit et je le réaliserai. Hey, restez debout. J'ai vu que pratiquement tout le monde est debout. C'est symbolique pour moi. Restez debout. Dieu dit, je l'ai dit. Et je le réaliserai. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Oh, alléluia. Amen.
remonter au verset 3 de Ésaïe 46, restez debout, je finis comme ça. Il dit, écoutez, maison de Jacob. Et moi je le reprends ainsi, écoutez, fidèle d'Apédokoué. Et vous tous restez de la maison d'Apédokoué. Vous que j'ai pris à charge dès votre origine. Vous que j'ai porté dès votre naissance. Wow. Depuis que tu es né, c'est l'Éternel qui t'a pris dans ses mains. Et il dit que vous que j'ai pris dans mes mains depuis que vous êtes né. Verset 4. Et le verset jusqu'à votre vieillesse. Et il dit que comme il est mignassi, je serai le même. Et il m'a porté un non énema. Dieu qui t'avait pris. Qui sera avec toi? Il te prendra encore jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux vous porter encore. Je veux vous soutenir. Et vous sauver. Levez la main s'il vous plaît. Prophétisez sur votre vie. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Prophétisez sur votre vie. La prière ne va pas durer. Prophétisez sur votre propre vie.